Salut, salut, chers amis, chers fans. Bienvenue sur cette page, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Car cette page est la vôtre et c'est ma page. Donc, c'est notre page. Alors, nous allons essayer avec cette page de faire des échanges dans le domaine de la musique. Nous allons pratiquer la musique, l'art de jouer, l'art de chanter, l'art de danser, l'art d'écouter. Tout cela compose la musique. Et toutes ces quatre pratiques composent les pratiques de la musique. Et il faut savoir que la musique vous fait profiter sur tout le corps. La musique est déjà très très bien pour le cerveau. La musique est très bien pour votre respiration. La musique est très bien pour la circulation sanguine. La musique est bien pour les muscles de la respiration. La musique est bien pour l'immunité, car nous avons besoin d'une immunité forte. Et la musique nous aide aussi à produire des anticorps. Vous savez, nous allons essayer de pratiquer la musique. Nous allons essayer de toucher tous les points qui vont nous permettre de pratiquer la musique sur tout, dans tout son ensemble, tous ces quatre verbes, chanter, danser, et écouter et jouer. Pour ceux qui veulent jouer, pour ceux qui veulent chanter, pour ceux qui veulent danser, pour ceux qui veulent plutôt écouter, nous en parlerons. C'est-à-dire, nous en parlerons. Et aussi, de temps en temps, nous allons, je vais vous envoyer quelques sons à écouter. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, toutes les questions du domaine de la musique que vous voudriez. Et nous allons essayer de trouver des solutions. Je vais vous donner tout ce que je pourrai, comme éclairage, comme apport pour que vous puissiez être... pour que vous puissiez être dans un pas bien sûr ou bien dans une sûreté avec votre préoccupation, avec la solution, avec votre préoccupation. Donc sachez que la musique c'est quelque chose au quotidien que nous pouvons, dont nous ne pouvons nous embrasser, parce que chaque jour quand nous allons au boulot, quand nous allons à l'école, quand nous allons à l'université, nous allons justement au travail, quand nous rentrons, nous sommes fatigués. Et alors, dans une voiture ou dans un bus ou bien en marchant ou dans un taxi, nous essayons d'écouter la musique. Quand nous rentrons, même quand nous sommes à la maison, nous écoutons de la musique. C'est très très important. Alors, pour ceux qui aiment la musique, pour ceux qui n'aiment pas la musique, il y a des solutions pour vous tous. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas la musique, il y a quelque chose pour vous, parce que la musique réunit le monde entier. Ça réunit tous ceux qui ne chantent pas, tous ceux qui ne dansent pas, tous ceux qui ne jouent pas et tous ceux qui n'écoutent même pas la musique. Et ça réunit avec ceux qui le font, ceux qui écoutent, ceux qui chantent, ceux qui dansent et ceux qui chantent justement. Donc c'est vraiment très important pour nous. Chers amis, restez avec moi, restez, stay with me, et nous allons essayer de nous entretenir sur la musique, poser toutes les questions possibles, toutes les questions que vous voulez, poser toutes vos préoccupations du domaine de la musique, et nous allons essayer de trouver des solutions. Donc nous allons déguster cet art, nous allons la déguster, je parle de la musique, nous allons la déguster, et franchement, la déguster. Merci pour tout et merci alors à tous mes fans. Et merci pour vos likes et merci pour tout ce que vous faites. Alors, tout ce que nous faisons justement, ou bien tout ce que nous ferons avec la musique, ce sera vraiment pour nous donner un succès, pour nous donner un profit, pour nous donner une manière de nous épanouir dans ce que nous faisons, dans la musique.
Voilà. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui se disent ils ne savent pas chanter, il y a des gens qui vont dire peut-être ils ne savent pas s'ils ont une bonne voix, s'ils ont une belle voix. Déjà, par exemple, chez les femmes, la plupart des femmes disent toujours elles n'ont pas une belle voix. Et quand vous les écoutez chanter, alors c'est quelque chose de bien, quelque chose d'aimable qui en sort ou bien qui touche vos oreilles. Donc, pour ceux qui disent ils veulent jouer, ils ne savent pas jouer et tout, c'est pas un problème. Mais la danse, c'est quelque chose de bien. Ce sont des merveilles, justement. Donc, la musique, écoutez seulement, déjà écoutez la musique, c'est quelque chose de bien. Une musique qui montre la joie, une musique qui montre la douceur, une musique qui montre, je sais pas comment dire, donc selon tous les rythmes que vous voulez, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit n'importe quoi, la douceur. Je ne veux pas trop dire tristesse parce que même une musique qui vous accompagne dans une tristesse, la musique n'est pas là pour vous faire, vous faire être encore plus triste, mais c'est pour vous faire rester sur un point où vous n'allez pas justement crever, vous n'allez pas tomber justement. La musique est là comme un support qui va faire que vous ne tombez pas et que vous ne lâchez pas, que vous ne vous perdez pas dans la tristesse. Donc la musique, c'est quelque chose de capital dans notre vie. La musique, c'est quelque chose qui nous aide et qui nous guide vraiment sur tous les points.